I told you people, South Africans, that we will make you squirt, make you cry hard, make you lose your mind, make you cry hard. When I say this on a Grammy,
where some people go to judge. This one is your leg that used to play it. We Nigerians, we are supreme beings. Thank you very much, Nigeria. See you all in the final. We are winning this cup. We are winning it. Don't play. Make you squirt. Are you going to use Amapiano? You not get mine. Amapiano won't challenge Afrobeat. Are you whining me? Thank you very much, Nigeria. Love you. Let's change the song. It's our piano. Iano is a good vibe, but they don't know. Steadily, 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 we are getting lit. Our piano. Iano. No, Monano is in. I trust. Mon cœur a failli lâcher. C'était le Real Madrid en face ou le Bayern Munich? Oh, le Nigeria qui se qualifie de justesse contre l'Afrique du Sud. Match très 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 compliqué. Mais qui l'a dit que c'était facile d'aller en finale de la CAN? Personne. Franchement, je tiens à féliciter l'Afrique du Sud pour leur parcours du combattant incroyable et leur performance d'aujourd'hui. Parce que oui, affronter le Mali, la Tunisie, le Maroc, le Cap-Vert Prime, le Nigeria, c'est pas donné. Et franchement, ils se sont bien battus. Franchement, les Sud-Africains, vous sortez la tête haute. Franchement, tout le monde s'en rappellera de votre performance incroyable dans cette CAN. Franchement, au vu de la physionomie du match, je vous assure que l'Afrique du Sud, ils avaient vraiment la possibilité de sortir le Nigeria aujourd'hui. Parce que oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu deuxième but pour le Nigeria, finalement refusé et pénalty pour l'Afrique du Sud. Et après le pénalty marqué, ils ont vraiment attaqué une énorme action ratée par l'Afrique du Sud. C'est clairement le tournant, parce que je vous assure que là, ils marquaient, c'était fini. Franchement, c'est bien, parce que quoi qu'il arrive, il y aura une belle affiche en finale. Même si l'Afrique du Sud, je pense qu'ils ont prouvé que c'était plus des outsiders dans cette compétition. Mais voilà quoi. Ce soir, ça promet un gros, gros match, franchement, entre le Congo et la Côte d'Ivoire. C'est pas facile d'aller en finale de la CAN. C'est lancé Kong, c'est frappé, et c'est dedans. William, c'était pas loin de pouvoir l'arrêter, mais ça passe en dessous de son corps. L'ouverture du score pour le Nigeria, signé Trost et Kong. Le pénalty sans trembler de Trost et Kong. Et ça fait 1-0. Je vous le mets sur... C'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Pendant cette CAN, combien de matchs je me suis dit, ça y est, c'est fini, je vibrerai plus autant jusqu'à la fin. Et pourtant, Nigeria, Afrique du Sud. Avant toute chose, merci aux deux équipes. Vous l'avez compris, on tient notre premier finaliste, Nigeria. Mais ça aurait pu très bien être l'Afrique du Sud. Totalement un match de dingue qu'ils nous ont proposé de la première jusqu'à la dernière minute. Une première période avec des occasions vraiment partagées de la part des deux côtés. Ça rentre au vestiaire, neutralisé 0-0. Sur l'apport offensif incroyable du banc du Nigeria. Et notamment sur le coup, sur Chukwueze. Qui va faire une première différence, qui va remettre à Osimhen derrière. Qui va aller chercher un penalty, mais 1 vs 4. Totalement assumé
par le capitaine, le leader. Derrière ça, une différence qui est refaite. Osimhen, but annulé. Pour quelques secondes après, à la 90e, but d'Afrique du Sud. Et croyez-moi qu'après ça, ils ont eu plus d'une occasion pour tuer le match. Où ils n'auront malheureusement pas réussi à concrétiser. C'est d'ailleurs un problème auquel ils ont fait face durant tout le match. Il y avait plus de buts à aller chercher, c'est une évidence. Derrière, de multiples occasions lors des prolongations également. Et ça va jusqu'au pénalty. Au pénalty, malheureusement, le gardien de l'Afrique du Sud ne réussira pas à nous sortir une performance digne du dernier match. Le Nigeria donc qualifié, premier finaliste, félicitations. Et l'Afrique du Sud, vous avez été une équipe très surprenante. D'ailleurs, je pense, honnêtement, l'une des meilleures positionnées tactiquement, si vous n'êtes pas la meilleure. Votre qualification aujourd'hui ne m'aurait pas étonné, vous avez été surprenant. Bravo et bonne rentrée. Est-ce qu'il existe un ballon d'or africain qui a le plus assumé ses responsabilités, son statut à ce point-là? S'il vous plaît, regardez bien cette action, ceux qui ne l'ont pas vu. Osimhen qui réceptionne le ballon, Osimhen qui élimine une fois, Osimhen très vite encerclé par 4 joueurs, Osimhen très vite qui va se défaire de ces 4 joueurs et qui va aller chercher ce penalty. Trop simple. Trop simple, bien sûr. Facile à dire derrière mon écran. Mais Dieu sait à quel point ça doit être dur. Ce mec est un putain de bulldozer, un mastodonte. C'est une dinguerie. Il est la définition claire et nette d'être fatigant. Peut-être pas aussi remarquable sur ses stats, vu qu'il marque pas autant. Mais je vous assure, et c'est la première fois que je dirais ça, je pense, que sa présence, ce qu'il réalise sur le terrain, est aujourd'hui plus importante que le fait qu'il stats. C'est trop une dinguerie comme elle est capable de canaliser toute une défense sur lui. De les fatiguer, de les épuiser, de les faire reculer. Marque contre la Guinée équatoriale. Provoque le pénalty contre la Côte d'Ivoire. Il est sur la trajectoire du ballon contre la Guinée-Bissau. Délivre une passe D contre le Cameroun. Fait une course de fou furieux pour Lokman contre l'Angola. Et donne aujourd'hui le péno sur un 1v4. En plus d'être ce mec qui sait conseiller, qui sait assumer son statut. Aujourd'hui, je vous le dis, s'il y a encore une seule personne qui pense que ce mec ne méritait pas le ballon d'Africain, vous êtes fous, les gars.